orchestre poétique d'avant-guerre tout en improvisation pour vous, messieurs, dames, geeks et autres geeks qui sont derrière présentement et dans un espace virtuel. Donc ce soir, c'est la première fois que je joue pour un public invisible. C'est une grande chance, je suis bien content, première diffusion internationale galactique. Comme à chaque fois, on voudrait remercier l'association qui nous invite, en l'occurrence l'association Girol, qu'on connaissait que par le net et qui, voilà, entre geeks avec Isa, on s'est trouvé sur un forum et puis ça explique notre présence ici. Donc merci et grand merci à cette association qui fait connaître le libre à travers les logiciels et à travers la musique, d'où notre présence ce soir. Donc moi perso, j'en fais un petit vidéo. L'orchestre poétique est tout en improvisation pour vous ce soir. Les morceaux que vous allez entendre ce soir n'ont jamais été joués, ne le seront sans doute plus jamais. Donc profitez-en, messieurs les geeks et les geekeuses. Enregistrez, branchez vos magnétophones, c'est le moment jamais. C'est une exclusivité mondiale pour vous ce soir. Compagnon. Une de nos sœurs dit un jour, ils sont obscènes. Et pourtant, il n'en était pas encore là. Et pourtant, ils peuvent aller plus loin. Ils sont obscènes. Pour eux, finalement, peu importe que l'on soit français, états-unien, gabonais, mexicain ou chinois, qu'importe. L'important, c'est de pouvoir nous assujettir tous et par tous les moyens. Nous assujettir tous et par tous les moyens. Nous assujettir tous et par tous les moyens. Ils sont obscènes. Pour eux, finalement, nous ne sommes que de la chair à canon. Nous ne sommes que de la chair à canon. Nous ne sommes que de la chair. Nous cesserons d'avoir peur, parce que notre colère sera plus forte que notre peur, parce que notre désespoir et notre espoir seront plus grands que notre peur. Nous cesserons d'avoir peur, parce que nos enfants auront les yeux ouverts. Nos enfants auront les yeux ouverts. Alors nous cesserons d'être esclaves et nous tirerons sur nos laisses, nous les rongerons, nous les broierons, nous ôterons le bâillon de nos bouches. N'étant pas faits pour mordre, nous parlerons, nous dessinerons de nouveaux symboles, nous inventerons l'utopie. Un jour prochain, nous choisirons d'être libres, car ils sont obscènes alors qu'en nous demeure l'éclat. Car ils sont obscènes, alors qu'en nous demeure l'éclat.